Et on se retrouve, chers amis, sur Mech Arena. Ok, le jeu l'est possédé, c'est super cool. Je sais pas pourquoi ça a ouvert tout seul, mais tant pis. On se retrouve sur un épisode sur Mech Arena, le fameux jeu où on détruit les robots. Donc, je vais en tout cas faire un point rapidement sur le jeu. Oh purée. Alors, deux nouveaux types d'armes que j'ai achetées, le carbine 8 et le 10. Hein. Et j'avais acheté quoi d'autre? Le Rocket Mortar 12 que j'ai acheté. Donc voilà. Pour l'instant, je vais essayer de les améliorer correctement. L'objectif, c'est de débloquer toutes les armes du jeu, tous les robots du jeu. Et ainsi pouvoir continuer dans notre parcours dans ce jeu. Donc voilà. Je fais des tournois pour gagner un peu plus de pièces A, c'est important d'en avoir parce que c'est là où ça va être la base dans votre jeu et enfin d'améliorer vos robots. Donc voilà, c'est important de faire du tournoi. Moi, je suis un feignant, je galère à faire du tournoi, ça c'est un détail et je crois que j'ai oublié de faire un petit point sur mes robots. Tant pis. Donc pour le, j'essaie de jouer un peu plus différemment dans mon jeu. Je vais pas essayer de jouer en mode YOLO, mais je vais très stratégiquement. Ok, il a tiré là-bas. On va essayer de rush. Voilà, il est mort. Voilà, lui il est mort aussi. Lui aussi. Non, pas comme ça. Ah, dommage, dommage. Il a bien joué. Hop là. Oh, c'est chaud hein, cette game hein, en vrai. Eh, bonjour, ça va? On se protège. Ouais, ça va, on a bien joué en vrai. On a très très bien joué et ça, c'est du bon combat qu'on aime, nous. Comme on dit dans le jargon. Ça va, on a gagné 15 sur 13, c'est pas mal. On va se cacher très ici là, très correctement. Très ici ça veut rien dire. En vrai là je suis bien caché parce que ils peuvent pas me voir et aussi je suis invisible. Donc s'ils avancent, invisible, ils peuvent pas me détecter. Je suis caché. S'ils avancent trop, je peux le staser, le bloquer. Et je peux le tuer en répétition. Ah, pour le jeu qui bug. Dommage, dommage, dommage. On pourrait essayer de les gagner, mais c'était compliqué en vrai.
Dommage. Oh, ils étaient tous sur moi là. Ils étaient trop sur moi. Ça fait un peu trop mal. Mais me pousse pas dedans! Oh, le mec qui m'a poussé dedans! À cause de ça, j'ai pas pu y penser. Alors, c'était le défi. Tuer plusieurs mecs par l'arrière sans mourir, c'est intéressant ça. Mais ouais, par contre, on va continuer. Brise glace, stasis beam. Ah, par contre, ouais, faut jouer avec plus canon, stasis beam et RPGS, ok. Après, le RPG c'est bien intéressant aussi. Ah ouais, ils sont 5 sur moi et personne n'aide aussi. C'est toujours sur ma poire en fait dans ce jeu. Ah, tu joues avec ça. Tu joues avec ça, ok. Oh, le jeu il bug tellement, il y a trop d'animations que je vais tenter un FPS le truc. Ça va, on a gagné, on a gagné. On peut gérer. C'est juste qu'il faut bien jouer et c'est un peu compliqué avec le jeu qui est à 27 FPS. Hein. Vivement que je change de téléphone parce que ça aiderait beaucoup. Je suis allé en mode YOLO, hein, c'était drôle en vrai. En vrai là je me plais dans la game là. Je m'amuse au moins. En train de rage quitte là leur équipe. C'est 10 ans, purée, on va jamais réussir. C'est dur. Ils en ont tout de suite marre en vrai.
Plus vous faites de kills, plus aussi de points et tout, plus vous gagnerez de points pour le tournoi, le score de combat. Donc là j'en ai 202 parce que j'ai fait plus de dégâts, plus de kills et puis voilà. Bon, si vous entendez du vent souffle, c'est normal parce que il y a du vent aujourd'hui et c'est un peu l'enfer, hein, on peut l'avouer. Allez, on va faire. Ah, il s'est reconnecté là, tu vois. C'était lui? Ah non, c'est Brodelt. Là. Bah du coup moi je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, toujours les bros.